Bum, 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 bum. Beaucoup plus calmement que la vidéo Coach de Star. Stephanie Smith. Partenaire de réussite. Michel Yarens. Qui blacklist mes vidéos. Why? This could be the answer to the big philosophic question, why are we here? The plastic asshole. Alors voilà. Donc, comme vous l'aurez compris, vendredi matin, je n'irai pas à la gendarmerie de Benfen. J'ai d'ailleurs un très mauvais souvenir, puisque quand je luttais contre ces puissants psychotropes qui m'ont administré des pseudo-experts psychiatres que je vais nommer expressément, et ben à un moment il y avait un contrôle là devant je luttais avec mon ex-femme Rachel en faisant un peu de footing tous les jours. Ils m'ont arrêté, le contrôle technique n'était pas conforme, donc tac, je pose m'énerve, j'étais épuisé, tout ça, puis encore se faire taxer, non, non. Et puis on me met les pinces, j'ai le certificat là derrière, il est daté, j'ai une paralysie au bras gauche, là, j'ai souvent des fourmis et tout ça, le gendarme, je sais plus comment il s'appelait, il m'a serré très fort les menottes, dans le dos. Et quand je suis arrivé là-bas, on m'a menotté à un plot en béton. 4 gendarmes sont rentrés. Ils attendaient qu'une seule chose, c'est que je bouge pour me taper sur la gueule. Je rentre pas dans cette gendarmerie de Benfen, parce que c'est comme au CHS de Kraft. On sait quand on rentre, on ne sait pas quand on sort. Venez me chercher au 36 rue de l'Hôtel de Ville. Emmanuel Macron, vous n'êtes pas allé le chercher. Moi, je pense qu'il y a de très fortes chances que vous veniez me chercher. Hein. Mais je ne vous laisserai pas rentrer. Après, libre à vous de prendre vos responsabilités. Bien. J'accuse le CHS de Kraft de m'avoir interné abusivement en 2012. Non pas quant au motif, mais quant à la durée. J'aurais dû être libéré vendredi, je me suis tué parce que ces gens-là, il ne faut pas les contrarier. Donc j'ai été libéré lundi, ils ont voulu remplir les chambres pour 3 jours de plus pour le pognon de la sécurité sociale. Un coucou à Martine Venère, psychiatre. Ah moi les psychiatres, je les adore. Abdemdi Azizi, réfugié au Maroc, à Casablanca, est en train de manger dans des poubelles. C'est un ancien athlète marathonien du CHS de Kraft. De la SPT, hein. quel lapsus Alors là aussi, les lapsus, je crois fortement à la psychanalyse, elle n'est pas grand public, elle ne fait pas vraiment de médicaments. It's consumption. C'est un new national pastime. Fuck baseball. George Carlin. Je ne couperai pas en montage. Je fais pas de montage. Hein. Vous voyez partir de là et je reviens. Hein. Voilà. Donc, faux et usage de faux en la personne de Pierre Verlier. Je n'ai jamais vu ce monsieur. Donc, et je l'ai envoyé à Gilles Dufour. Mon dossier qui est là quelque part, mais qui est encore chez eux, y a marqué le passé du patient nous incite à la prudence. Et le passé du patient, c'est Adam Raga, Raime Busto, Jordi Tares, G06, le meilleur pilote français. Bruno Camusi, Jérôme Béthune, Théo Colero, Daniel Olivier,
Alain Lerda, Jean-Philippe Lerda, excusez du peu, là j'en mets Loris Gubian, Jacqueline Gubian. Il y aura trop de monde, ne vous inquiétez pas, si je vous cite, ils n'ont pas le temps. C'est tellement la merde en France qu'ils vont pas pouvoir interroger tout le monde. Et alors, il y a, j'avais dit, j'ai expliqué à la maire du village, Marianne Ornigonier. Ah, tiens, j'ai le bouquin de Jean-Luc Acoumo qui m'a envoyé aujourd'hui, enfin hier. Atteint et abusivement, le rescapé de l'âme. Voilà. La Google Story, c'est fantastique. Je vous explique comment ces gens-là se font du pognon. Les petits pirates mettent de la musique qu'ils téléchargent, etc., sur YouTube. Quand les algorithmes de YouTube détectent la musique existante, c'est pas compliqué, c'est comme des virus, c'est une suite de 0 et de 1. Quand arrive cette suite de 0 et de 1, sur une durée X, je pense que ça doit être 15, 20, 30 secondes, j'ai pas testé, plaque, ça bloque. C'est aussi simple que ça, c'est vraiment pas compliqué à mettre en place pour des informaticiens. Donc, ils mettent en place ils pompent de la musique, ils la mettent en place de façon illégale, et après YouTube demande un dédouanement. Avez-vous stop, votre vidéo est bloquée, avez-vous l'autorisation? Bah, le petit pirate, mais oui. Alors, il suffit pour pas qu'on le chope, il peut très bien acheter un PC, puisque les PC sont numérotés. Sous un faux nom, avec de l'argent en espèces, se connecter depuis un cybercafé ou n'importe quoi, puis il reçoit son pognon sur un compte offshore. Et... donc ils sont des milliers à faire ça. Ils sont des milliers à faire ça, à gagner du fric comme ça, sachant très bien que, bah, comme ils sont tellement à le faire, et comme ils sont, généralement, ils arrivent à se planquer, bah, ils vont pas, on va pas courir après tout. Les vrais voyous, c'est pas les petits pirates, c'est la number one des GAFA. Google. I'm about Google, you are watching me. I'm watching you. La number one des GAFA. GAFA, acronyme de Google, Amazon, Facebook et GAFA et Google, Amazon, Facebook et Apple. Apple dont le patron donc, qui avait inventé la souris, c'est lui qui a inventé la souris sur les PC. Un jour Bill Gates est venu parce qu'il s'est espionné tous les deux à la Silicon Valley et puis voit que son employé montre à Bill Gates le fonctionnement de la souris et puis arrête. Stop! Et l'autre, il avait tout compris, et aujourd'hui encore. Beaucoup de gens utilisent des souris. Quand on utilise un PC pour créer des vidéos et tout ça, il faut une souris. Et est venu le touchpad, qui est juste fait pour recevoir de l'information. On peut très peu créer avec une tablette. La tablette, elle est faite pourquoi? Pour consommer. That's consumption. Quand vous achetez un iPad, n'importe quoi, on vous demande un numéro de carte bancaire. Et en espérant, alors la meilleure des choses qui puisse arriver, c'est que ça tombe dans les pattes de votre gamin et que lui, il va les commander pour des centaines d'euros. Vous retrouverez jamais votre pognon. Alors ouvrez un compte avec Apple en prenant une carte transcash à la con, ça coûte 10 balles. 10 francs. Alors les transcash, c'est fantastique. Je crois que c'est Sogina, la Société Générale ou CIC. On peut, tenez-vous bien, on peut transférer de l'argent jusqu'à 10 000 euros. Par mois, en par exemple 2 fois 5000 euros en 2 jours. Alors, si ça, c'est pas du blanchiment d'argent, de Dunkerque à Perpignan, 10 000 euros en 2 jours. Alors, comme moi j'ai eu le malheur de prendre une deuxième carte pour me sécuriser, puisque j'utilise pas des sommes dérisoires, blocage, il a fallu 15 jours. Les banksters sont les maîtres du temps, ils ont 460 jours au calendrier. Voilà. J'invite Rue 89, j'invite toutes les radios, toutes les télés du monde, enfin je veux dire, mais comme dit Étienne Chouard, tout est corrompu.
Alors c'est plus merde en français, merde, shit around the world. Well, we know what they want. Ever, ever more for themselves and less for anybody else, but I will tell you what they don't want. People like me, Philip Stoker, capable of critical thinking, that's against their interest. That's right. Shit around the world. The whole world is totally corrupted. Un coucou à Jacques Dutronc, qui l'excellent Jacques Dutronc. Je suis tombé sur l'album qui a été. Je connaissais pas. C'est ça commence, c'est très lugubre, c'est Madame l'existence. Je voudrais acheter un peu de démocratie. Je voudrais acheter un peu de ciel bleu. On n'a pas ce type d'article à vendre ici. Vous vous trompez de boutique. Ici, c'est pas la République. Eh ouais. Voilà. Au niveau de la censure, à la Jacta Est. Silence. Vous avez le droit. De garder le silence. Mais vous tous, les exécutants de ces mafias au pouvoir, vous avez aussi le devoir de ne pas exécuter d'ordre illégal. Et quand on voit ce qui se passe, alors ils ont tous eu peur. Philippe Pascoe est malgré un ami Facebook, Stéphanie Gimoux, lanceuse d'alerte aussi. Le seul qui me permet de l'authentifier encore, je ne peux pas diffuser sur sa page, mais... Chapeau bas, Étienne Chouard. Toutes les banques sont en faillite frauduleuse. C'est sur mon site http://stopo.surendettement.free.fr. Les psychiatres sont, pour la grande partie, ceux que j'ai rencontrés, des escrocs et des apprentis sorciers. J'ai envoyé à Gilles Dufault, le directeur du CHS de Craft, un document qui m'a été envoyé par le docteur Jean-Marie Foujardin en 2015. Il dit qu'il y a sur Strasbourg une mafia psychiatrique qui met les gens sous curatelle. Je rappelle que Marie-Paul Horn, ma référente Teresa, m'a fait chanter. Et donc que la condition, ça a été d'être mis sous curatelle. Caratis, tout ça, il paye le mazout. Donc là aussi, je nomme expressément... elle s'appelle Hélène Munich. Elle a pour l'instant répondu. Je n'arrive pas à les joindre. Le gendarme qui m'a convoqué vendredi, dont je tairai le nom, mais au pire, je le donnerai. Avec Writing Box, un retardement aussi. Voilà. Hélène Munich, zéro. Et le gendarme qui m'a appelé, c'était, c'est arrivé peut-être 5 minutes après que j'envoie. Donc sur le 06 de David Diop, qui avec Marie-Paul Horn a tenté de m'intimider, c'est-à-dire de me faire taire. On ne fait pas chanter Philippe Stoker. Philippe Stoker, Amandine Lasserre l'avait déjà dit à l'époque, quand je l'avais vu. Elle avait dit, vous, on vous fait chanter. Jacques Schneider, mon curateur, m'a escroqué. Jean-Louis Kiel, de Crésus Alsace, est un escroc. Il présente des gens
comme étant des avocats, alors que c'est des simples étudiants de droit. Je lui ai demandé depuis plusieurs fois de me rendre les 50 euros que j'avais donnés pour son association. Le CMS d'Irstein m'avait envoyé vers Vincent Fontalecé, et au courant, je lui ai envoyé un courriel, on a discuté avec lui, vers Crésus Alsace pour faire mon dossier et mon plan de surendettement. En rendant ces crédits revolving, en les faisant devenir une reconnaissance de dette, la reconnaissance de dette, elle n'est pas frappée de forclusion. C'est très technique, mais je veux dire, quelqu'un qui fait un peu d'économie comprendra ça aisément. Voilà, donc mardi 8 novembre 2020, il est 1h10 du matin, je vais envoyer ça en 4G avec le téléphone. Espérons que je ne sois pas censuré.